Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai de nouveau une recette excellente, une recette que vous allez apprécier car je sais que vous aimez beaucoup mes brioches feuilletées. Et là je vous en partage une, mais vraiment très pratique, que vous pouvez garder sous la main au congélateur. Il n'y a pas de levure à l'intérieur et c'est vraiment super simple à faire. Il y a juste quelques points, quelques petites astuces à faire attention et du moment que vous respectez ça, vous aurez ce même résultat. Regardez-moi ce feuilletage, mais vraiment excellent. Donc je vous conseille fortement de tester cette recette, vous ne serez absolument pas déçus. Je sais très bien que vous aimez mes recettes de tout ce qui est à base de pâte feuilletée. Et croyez-moi que ça, c'est la best des recettes. Franchement, je suis honnête avec vous, ça va être la meilleure recette que j'ai partagé jusqu'à maintenant en ce qui concerne les brioches feuilletées. Donc là, vous aurez vraiment un vrai feuilletage exceptionnel. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à me demander une recette des galettes des rois. J'en ai une. Je vais essayer de la partager ce week-end. Mais en attendant, vous pouvez très bien faire cette pâte pour faire votre galette des rois avec la même technique, mais vous ne donnerez bien sûr la même forme. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à notre pâte. Pour cela, j'utilise 1 kg de farine. Voilà, je mets 1 kg de farine dans ma bassine. Ensuite, j'ai 30 g de sel. C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Donc, je mélange bien mon sel avec ma farine. C'est vraiment très très peu d'ingrédients. Hein. Vraiment. Donc, ensuite, j'ai 500 ml d'eau froide. Et j'ai 500 g de margarine spéciale pâtisserie. Vous en trouvez un petit peu partout. Je l'ai mis au congélateur 1 heure avant de faire ma pâte. Et je viens le râper comme ceci. Donc entre-temps, je le trempe dans la farine pour pas que ça ne colle sur ma râpe. C'est une petite astuce pour vous faciliter la tâche. Donc bien tremper dans la farine entre-temps. Il faut vraiment que votre margarine ou votre beurre, si jamais vous voulez faire avec du beurre, utilisez du beurre à 82% de matière grasse. Il faut vraiment qu'il soit congelé très dur, quoi, hein, que vous puissiez le râper. Voilà, donc maintenant je viens émietter mon beurre pour éviter qu'il colle entre eux. Mais évitez de le manipuler très longtemps pour ne pas le ramollir avec la chaleur de vos doigts. Voilà, donc rapidement on l'émiette. À ce stade, c'est comme si on fait un crumble en fait. On va venir fariner les morceaux de beurre, voilà, grossièrement, comme ceci. Donc on veille à ce qu'il ne reste pas de gros morceaux de margarine ou de beurre. Donc une fois qu'on a bien émietté notre matière grasse, on peut rajouter l'eau. Donc comme j'ai dit, c'est 500 ml d'eau froide. C'est tout ce qu'il y a comme ingrédient dans la pâte. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de levure. C'est vraiment super simple. Mais vous allez être choqué par vous-même par le résultat. Voilà, donc là, on commence à pétrir notre pâte. Mais c'est une pâte qui ne se pétrit pas longtemps. Donc vous pouvez très bien le faire au robot. Mais encore une fois, j'ai voulu vous montrer que c'était faisable à la main aussi pour mes abonnés qui n'ont pas de robot. Donc une fois que la pâte, elle se commence à se ramasser comme ceci, voilà. Donc je verse le tout sur ma table ou sur votre plan de travail, peu importe, et je viens faire incorporer le reste de farine. Donc j'en ai pas rajouté, c'est les 1 kg de farine que j'ai mis au tout début. Donc là je viens pétrir ma pâte, mais comme j'ai dit, il ne faut pas un pétrissage très long, hein. Donc une fois que la farine elle est incorporée, c'est bon. Il faut que vous puissiez voir encore les gros morceaux de beurre à l'intérieur de la pâte. Donc surtout ne pas trop la travailler. Donc là, comme à ce stade, vous voyez, elle a bien absorbé la farine. Donc je ne vais pas la pétrir encore longtemps. Donc voilà, je la forme en boudin. C'est bon, c'est suffisant. C'est surtout pas une pâte qu'il faut travailler longtemps, hein. Comme j'ai dit, les beurres, la matière grasse à l'intérieur, il faut qu'elle reste en morceaux quand même. Voilà. Donc là, j'ai ramassé ma pâte. C'est suffisant. Donc le but, c'est juste de faire incorporer la farine. Donc là, vous voyez, ce n'est pas une pâte qui est pétrie comme on fait d'habitude. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'étape du tourage. On va faire 2 tours, mais avec une technique différente. Comme c'est une pâte qui est quand même assez dure, elle n'est pas molle, hein, elle n'est pas moelleuse, elle n'est pas souple à ce stade.
Je mets un sachet dessus. En dessous, j'ai fariné légèrement. Et maintenant, avec votre bras, vous allez donner des coups. Vous pouvez très bien faire cette étape avec un rouleau à pâtisserie, c'est faisable aussi. Mais moi, c'était la facilité de le faire avec mon bras. Voilà. Donc, si vous êtes assez forte, vous pouvez le faire au bras. Sinon, vous pouvez très bien le faire avec le rouleau à pâtisserie. Il ne faut surtout pas l'étaler, en fait. Le but, c'est bien de l'agrandir en donnant des coups. Voilà. Surtout pas l'aplatir au rouleau en faisant des va-et-vient. C'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc là, à ce stade, on fait le premier pliage. Normal, comme ceci, vous voyez. Et maintenant, on va faire le deuxième tourage, qui sera le dernier. Il y a seulement deux tourages, en fait. Donc là, je re-aplatis en forme de carré. Ça va très vite, hein. Franchement, même avec le bras, c'est pas dur, hein. Vous pouvez très bien le faire au bras, vous verrez par vous-même, c'est pas compliqué. Donc là, j'ai formé un carré. Maintenant, on va venir l'aplatir encore un petit peu pour faire le tourage. Comme ceci. Donc j'ai fait mon premier pliage. Pour bien souder les bordures, je reviens donner des coups, comme ceci. Et je fais pareil pour l'autre côté, pour bien que ça soit soudé. Donc à la fin, il faut qu'on obtienne un carré. Donc là, je vais rabattre les côtés aussi. Donc on ne l'aplatit pas au rouleau à pâtisserie comme si on ferait une pâte feuilletée classique. C'est ça l'astuce. Il faut l'étaler en donnant des coups, pas en appuyant dessus, en faisant des va-et-vient. L'important, c'est de l'élargir en donnant des coups. Voilà. Donc là, on a obtenu un carré. Voilà, c'est ce qu'il faut. Comme ceci. Donc là, maintenant, on peut passer à l'étape pour le couper. Il n'y a pas de temps de pause à ce stade, hein. Donc jusque-là, une fois que vous avez fait votre pâte, vous continuez. Et là, je coupe des bandes d'environ 5 à 7 cm de largeur. Voilà. Et là, je vais vous montrer le feuilletage. Déjà, rien qu'à ce stade, vous allez voir qu'il y a un feuilletage magnifique. Et avec seulement deux tours, hein. Donc voilà. On voit bien à ce stade que ça va être une très belle pâte feuilletée. Donc là, à ce stade, je les sépare l'un des autres. Et je les recouvre de mon sachet et je les laisse reposer environ 15 à 20 minutes. Mais pas au frigo, hein, à température ambiante, comme ceci. Donc après 15-20 minutes de repos, on va passer à l'autre étape. Il y a encore une autre étape de façonnage. Ce qui va donner un feuilletage exceptionnel. C'est cette astuce aussi en fait. Malgré la lumière, je pense que vous arrivez à voir les couches du feuilletage. Donc là, on l'aplatit sur la longueur, comme ceci. Vous voyez, donc si ça colle, n'hésitez pas à fariner légèrement votre plan de travail, mais pas le dessus, hein, donc juste le dessous. On l'aplatit légèrement au doigt et on fait un rouleau en aplatissant vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc je pense que la vidéo est assez claire. Et on forme un boudin. Voilà, tout simplement. On met de côté et on fait pareil avec toutes les autres bandes. Franchement, c'est une recette assez simple. Ça demande juste un petit peu de patience, je dirais. Et un petit peu de technique, mais vraiment rien de compliqué, hein. C'est faisable par tout le monde. Regardez-moi ces couches, franchement, ça se voit. Et le côté pratique de cette recette, je vais vous le montrer dans la suite de la vidéo, c'est que vous pouvez les congeler et les sortir quand vous voulez. Ça vous dépanne et ça se garde très très longtemps au congélateur vu qu'il n'y a pas de levure à l'intérieur. Voilà. Donc une fois qu'on a formé tous nos boudins, on laisse reposer de nouveau 15 à 20 minutes. Ensuite, on va couper des morceaux de 10 cm environ. Donc en fait, chaque petite boule doit peser environ 70 grammes. Voilà. Donc si vous voulez faire une galette ou autre avec cette pâte, après le tourage, vous donnez la forme que vous souhaitez. Vous ne faites pas les bandes comme j'ai fait. Voilà, donc je prépare toutes mes petites boules. Vous allez voir, on va en avoir une bonne quantité.
Et le jour où vous faites ça et que vous en mettez au congèle, croyez-moi que vous allez être contente, vous allez vous dire, mais heureusement que j'ai fait cette recette, quoi, parce que ça va vous dépanner énormément. Vous sortez ça, ça vous fait un feuilleté. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien les garnir, même si vous allez les congeler, donc c'est pas grave. Moi, je les ai fait nature, mais ça s'accompagne très bien avec une salade ou. Franchement, c'est super bon. C'est des feuilletés salés, super bon. Voilà, donc bien veiller à faire toutes les boules. Voilà, comme vous voyez, on a une bonne quantité, bien lisse, comme ceci. Donc là, pareil, on va les recouvrir avec le sachet et on laisse reposer encore 15 à 20 minutes. Maintenant, c'est la dernière étape. On prend notre boule. On ne farine pas le dessous, hein, surtout pas. On vient aplatir le milieu avec la paume de la main. Surtout, on n'appuie pas sur les bords, comme vous voyez. Donc les bords doivent être rebondis légèrement, comme ceci. Là, je vous montre de plus près. Là où j'ai aplati, bah, c'est plus fin. Et les bordures, bah, sont plus épaisses. Voilà. Donc, je les dispose sur ma plaque du four. Car moi, je vais les congeler. Donc, c'est plus facile à mettre au congélateur avec des plaques. Et on les disperse les uns à côté des autres. Il ne faut pas qu'ils se touchent pour pouvoir bah, les congeler un par un. Comme ça, vous en sortez le nombre que vous voulez en cuire le jour où vous voulez, quoi. Vous voyez l'astuce, c'est vraiment simple. Vous appuyez avec la paume de la main au milieu. Vous appuyez pas sur les bords. Et vous refermez. C'est tout. Et si vous voulez mettre de la farce, vous le mettez avant de le rabattre en fait. Vous appuyez, vous mettez votre farce et vous repliez en deux. Donc si jamais vous voyez que ça risque de coller, vous farinez très légèrement. Mais vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, les disperser les uns à côté des autres. Voilà, et on les congèle. Alors moi, pour vous montrer vraiment le vrai résultat après congélation, je ne les ai pas cuits le jour où je les ai faits. Donc vraiment, la preuve en image, je vais vous montrer que je les ai cuits après les avoir congelés. Donc comme vous voyez, moi j'ai obtenu trois plateaux. Donc je les ai fait congeler toute une nuit. À ce stade, bah, ils sont bien durs, comme vous voyez. Ils ont super bien congelé. Donc il n'y a plus de risque à ce qu'ils se collent entre eux ou quoi que ce soit. Ils sont bien durs. Et là, je vais les mettre dans les sachets de congélation. De toute façon, ils ne vont pas accrocher, mais juste veillez bien à ce qu'ils ne se cassent pas au congélateur. Car ça reste quand même fin. Donc bien faire attention. Voilà, je les mets dans les sachets. Et si vous aimez tout ce qui est à base de feuilleté, bah franchement, testez cette recette, vous ne serez pas déçus. Au contraire, vous allez me remercier car c'est une recette vraiment qui sauve la vie. C'est vraiment très pratique. Et là, j'en mets quelques-uns sur ma plaque que je vais cuire pour vous montrer vraiment comment c'est après congélation. Mais l'astuce, c'est que si vous voulez cuire bah, une fois qu'ils sont congelés, vous les laissez décongeler sur la plaque du four environ 30 minutes. De toute façon, comme ils sont fins, ils décongèlent très rapidement. Donc bien les congeler avec des sachets qui ne prennent pas l'air. Moi, j'avais plus les sachets à zip, donc j'ai fait avec les petits sachets de congélation, mais c'était bon aussi. Donc là, à ce stade, j'ai touché, ils ont bien ramolli. Je badigeonne avec deux jaunes d'œufs. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Il est chaud. Donc ne pas les enfourner congelés, hein. Ça c'est une autre astuce. Bien attendre qu'ils décongèlent. Comme je dis, en 30 minutes, ils sont décongelés, hein, donc c'est très rapide. Mais bien les décongeler sur la plaque directement. Sinon, vous aurez du mal à les manipuler dans le sachet si vous les laissez décongeler dans le sachet directement. Et là, pour donner un petit dessin sur le dessus, je viens faire des rayures avec le dos de la fourchette. Et je les enfourne à 180 degrés pour environ 20 à 25 minutes. Tout dépend de votre four. Et là, je vous ai filmé en accéléré le moment de cuisson. Malgré qu'il n'y a pas de levure, voici le signe qu'on a un feuilletage réussi. Il gonfle pendant la cuisson. Regardez-moi ça. Et il n'y a vraiment pas de levure, quoi. Comme vous avez vu, eau, farine, sel. C'est tout ce qu'il y a dans la farine. Et de la margarine, bien sûr. C'est tout ce qu'il y a dans la pâte. Je suppose que vous n'avez jamais vu de recette comme ceci. D'ailleurs, dites-le-moi en commentaire si c'est la première fois que vous le voyez ou si vous connaissez cette astuce. Mais en tout cas, je vous conseille fortement de tester cette recette. Je le répète,
Vous ne serez pas déçus, au contraire, vous allez adorer. Voilà, à la sortie du four, ils sont bien dorés. Et là, je vais vous montrer de plus près la texture. Ils sont super bien gonflés, super bien feuilletés, bien croustillants comme il le faut. Regardez-moi ça. Franchement, c'est une tuerie. Et l'avantage, c'est comme j'ai dit, quoi, qu'ils soient congelés, qu'on peut les congeler en fait. Ça vous dépanne dans les jours où vous êtes pressé et tout ça. Regardez-moi ce feuilletage. Magnifique. Voilà, donc c'est une recette qui j'espère vous aura plu. J'attends avec impatience vos retours, vos commentaires. J'ai hâte de les lire et bien sûr de vous répondre. Je vais mettre la liste d'ingrédients en barre d'infos. Donc comme j'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!